Alors imaginez, nous sommes en l'an 3000 et le monde est un petit paradis. Azelma Sigo nous invite à plonger dans son univers pour explorer notre société actuelle avec un humour irrésistible. À 29 ans, la jeune auteure du Puy vient de publier son deuxième roman, Absurditaire, elle nous en dit plus. Ça se passe dans un futur utopique où il n'y aurait ni guerre, ni argent, ni maltraitance animale, où tout le monde serait en harmonie avec la nature depuis des siècles. Et les faits du passé ont été cachés aux gens. Un jour, un professeur va raconter à ses élèves comment c'était avant, au temps des armes, au temps de l'argent, etc. Donc chaque chapitre, il va y avoir un récit absurde. Les récits, il faut les voir comme des contes, en fait. Donc c'est assez facile de suivre l'histoire, parce qu'il y a une trame, c'est l'école. Et entre chaque, on va suivre des récits du passé. Azelma Sigo, qui fait partie des auteurs et artistes qui tiendront le salon Ami Plume ce week-end au centre Pierre Cardinal du Puy. Le 30 juin, elle sera au musée de Versillac à Issaint-Jean. Enfin...